Nous venons te chercher, Yngvi. Vous venez de révéler votre position. Oh, les imbéciles. Oh, voyez-vous ça, la reine du Gui en personne. Hilarant, vraiment. Ça faisait longtemps. Emdahl. Et toi, tu dois être le père du petit bâtard. C'est mon jour de chance. Tu as des comptes à rendre, mon lapin. Toi aussi, traître. Je préfère être un traître que le toutou d'Odin. Va. Ce fardeau est le mien. Je peux t'aider. Je sais. Mais tu es attendu ailleurs. Il a raison, tu sais. Les braises étaient encore tièdes lorsque je suis parti. Je sais que tu ne voulais pas de ça. Mais nous savons comment ça se terminera. À bientôt. Oh, nous savons tous les deux que c'est faux. Mais ne t'en fais pas, Frigg. Je viendrai pour toi et ton cher frère dès que j'en aurai terminé, ici. Alors, allons-y. Je ne vais pas mentir. Je suis déçu. Oh là! T'as-t-il fait quoi que ce soit? Coupe-moi ce Bifrost! Garde-le de la maison! Avec ta réputation, je m'attendais au moins à transpirer un peu. Oh, tant d'agressivité, tant de colère. Très bien, juste toi et moi dans ce cas. Oh. Oh, pardon! Tu espérais que le bâton te donnerait un avantage? Quand tu veux! Tu ferais très mal si tu me touchais. Oh, regarde! La magie est prête! Oh, dangereux! Oh, tiens! Le retour du bâton! J'espère pour vous que le sauvetage se passe mieux que ce combat. Ah, il est chaud. Tu fais un peu trop durer le plaisir. Très original, mais pas de taille face au Bifrost. Frère, tu n'as pas fait forger cette lance pour le plaisir. J'attends. Allez, à toi, hilarant, l'héritier des As, terrassé par la canne d'un vieillard. Ah. Oh. Joli bâton. Ah. Ah. Il ne s'attend pas à ce que Gropnir explose. Tu l'air, enfin. Ah. Qu'est-ce que... Je sens ta frustration.
C'est extrêmement satisfaisant. Et maintenant, mon frère, la lance est notre meilleure chance. Oh. Non. Non. Ah. Quand tu veux. Tel père, tel fils. Tu fais un peu trop durer le plaisir. Allez, pas toi. Eh bien, j'attends. Ressemblance à présent. Tu m'as porté un coup. Pas si vite. Terrible que dans mes souvenirs. Quand me suis-je servi de cette épée pour la dernière fois? Frappe-le! Rien qu'une fois! Il suffit de trouver une ouverture! Je saurais dire si je suis surpris ou contrarié. Et voilà, une armure digne d'un dieu. Tu frappes comme une vieille vache. Quoi? Que se passe-t-il dans cette toute petite tête? Oh non, 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 non! Tu comptes me laisser la vie sauve? Par pitié!
Abandonne et tu vivras peut-être. C'est à propos de l'avorton ? Oh oui, j'ai la ferme intention de l'étriper. C'était le dernier avertissement. Je doute que les avertissements suffisent. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça ? Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de mon destin! Tu es mort, mon lapin. Tu te prends beaucoup trop au sérieux! Ignores-tu qui je suis? Je suis le veilleur des As, le héros du Ragnarok. Je vais trouver ton sale bâtard de fils et réduire son corps. Un seul d'entre nous s'en sortira. Et je peux t'assurer que ce ne sera pas toi. As-tu osé m'épargner ? Tu commences à en avoir assez de toi. Personne ne viendra à ton secours. La reine du guide ne peut rien pour toi. Il ne reste que toi et cette maudite fête. Mon frère! Mon frère! Arrête! Ne t'engage pas sur cette voie! Kratos, c'était vraiment... J'ignore si c'est nous qui brisons le destin, ou si c'est le destin qui nous brise. Hé, hey, un petit coup de main ? Au moins, le sauvetage se passe bien. Ah!
Je peux très bien. Tu ne peux pas. Au, au, au ! Doucement ! Avec moi ! En avant ! On a de la visite derrière. Oh, non. Ça va ! D'accord. J'ai presque. Marchez droit devant! Oh! Sérieusement? D'accord. Bonjour, je suis Atreus. Tu vas bien? Bonjour! Non! Accroche-toi! On y est bientôt, non? Sur ta droite! Continuez! Nous sommes presque à l'arrivée! Trop tôt. J'ai envie de vomir. Où est le bateau? Lance-le dans la rivière. Dépêchons-nous. Ça ne les arrêtera pas longtemps. Mais oui, Skiz Blasni, le bateau de frayeur. Ils vont se rassembler. Allons-y. Vous auriez dû voir vos têtes. Du calme.
Ils volent. On vole. Je savais qu'ils voleraient. On a de la compagnie! Il y en a un autre! C'était trop beau pour être vrai. Quelqu'un peut m'aider? Ils vont trop vite! Attention! Sans Birgir. Oh, allez. Tu penses vraiment que ça en est fini de Birgir? Tu penses qu'il a pu survivre à ça? Il est quelque part à se curer les ongles avec les plumes de la bête. Je le sais, il... Ah. Il a survécu. Nous y sommes presque, Yngvi. Tu dois tenir encore un peu. C'est pas comme si j'avais d'autre choix pour le moment. Du linge et de l'eau chaude. Une racine rouge et de la cardamine. Je sais, tu crois que c'est la première plaie que je referme? Oh, mais t'as pas de soucis à te faire, hein. J'ai pas touché à tes affaires pendant que t'étais dans tes galères. Hein. Oh, bon sang, Lunda, doucement. Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pas moi qui t'ai embroché comme un cochon. Excuse-moi. Freya, tu veux bien l'aider? Ou même... venir prendre le relais? Reste tranquille. Elle va te stabiliser pour que je puisse t'emmener chez Sindri. C'est là que sont toutes mes herbes. Nous restons ici pour protéger le royaume. Tous les quatre. Vanaheim compte sur vous. Cap sur la maison de Sindri? Où qu'elle se trouve? Ton bateau. Non. Je t'en fais cadeau. C'est bon, garde-le. Envole-toi. Prends le soleil à son bord. Ça te fera pas de mal. Sois digne d'un dieu Van. Oh. Il te donne son bateau? Génial. Il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était écrit. La prophétie dit que le Galarorn sonnera le Ragnarok. Quoi que cela implique.
J'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin. A priori, il... Non, Atreus, nous parlerons en privé. Tu es la meilleure. Tu as toujours été la meilleure. Hé, dites-lui quelle est la meilleure. Oh, ils sont revenus. Les héros du jour. Vous devez tout me raconter. Quand vous serez prêt, bien sûr. Pas moi qui donne les... Assez! Nom d'un dieu. T'as réussi. Comment, par les 9 royaumes, es-tu parvenu à tuer Heimdall? Je savais que la lance ferait l'affaire. Allez, je vous souhaite un joyeux Ragnarok. Ça s'arrose. Est-ce vrai? Heimdall est mort. Je n'arrive pas à le croire. Rien ne peut plus l'empêcher. Odin offrait la paix à condition que tu ne verses plus le sang des Ases. J'ai refusé cette offre. Mais il s'y tenait. Maintenant... Maintenant quoi? Tu sais aussi bien que moi qu'Odin ne tient jamais longtemps ses promesses. Nous avons l'avantage. C'est le moment. Le temps est venu de l'affronter. Non. Vous ne comprenez pas ce que cela implique. Odin n'aura de cesse de prendre sa revanche. Il n'y a pas que ça. Le masque. Le savoir auquel il donne accès. C'est ça qu'Odin désire plus que tout. Si je retourne à Asgard, je... Comment peux me servir. Tu veux y retourner? Écoute. Si j'arrive à finir ce que j'ai commencé, que je réveille le masque, trouve les réponses, on sera peut-être sorti d'affaire. Mais il faut que je fasse vite. Avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Atreus, te voilà revenu. Je ne te remettrai pas en danger. Il est en danger ici même, Kratos. Comme nous tous. Tout ce qu'on fait ou ne fait pas est déjà dangereux, père. Odin a besoin de moi. Il a confiance en moi. Je ne craindrai rien. Mimir, d'un point de vue stratégique, j'ai tort? Ça ne me plaît pas trop, mais c'est le mieux à faire. Diviser l'attention d'Odin nous fera gagner du temps. Et nous aurons des yeux dans le sanctuaire sacré de notre ennemi. Mais si cette source de savoir infini existe bel et bien, Odin ne doit pas y accéder. Non, car une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut... Je perdrai mon avantage. J'ai compris. Je serai vigilant. Père, je peux y arriver. N'oublie pas notre promesse. Toi non plus. J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi, Sindri. Bon, tout ça ne me dit pas comment tu as fait. Comment nous avons fait? Ah, je sais. Voici toute l'histoire.